Bonjour, bonjour, c'est Aigon, bienvenue dans cette suite. Ça fait un moment que je n'ai pas joué. Donc on était après le siège de Rathir, si je dis pas de bêtises. Bon. Voilà. Alors attends, on était où? Oui. Vous cherchez à vous réapprovisionner? Ilin Doldran a tout ce que vous voulez. Attends. Il veut chien. C'est quoi par rapport? 107. Ah oui, comme. Là, c'est des dégâts de fou et j'avais des dégâts de feu. Ça coûte 25 000. 101, ah oui, mais ça ferait cher comme 69 000, on va se faire du pognon. 114 déjà. C'est aussi, parce qu'apparemment il y aura plus de. Oh, je vais prendre plein de plus la gueule. 16 000. Arme du prismérieux. À très bientôt. Ça, on peut les vendre. Faut des glaces, je dis des dégâts de glace, mais faut déjà faire des dégâts de glace, donc ça sert à rien. J'ai beaucoup de marchandises, si vous avez... 79. Ça, ça aurait été bien, je pense. Allez, 202. Ah oui, ça serait déjà mieux que... C'est toute puissance, là. Pareil. Là, c'est finesse. 16 000. Beaucoup d'argent. Lorsque le Niskaru est apparu, j'ai bien cru que c'était la fin. Que Melsenshir allait disparaître. Personne ici-bas n'aurait pu éliminer ce démon. Que Lairia soit louée pour votre présence parmi nous. Le plus grand des généraux. Il paraît que quand le Niskaru est apparu, elle a donné sa vie pour nous protéger. J'ai toujours vécu à Melsenshir. J'ai vendu ma première potion alors que je n'étais pas plus haut qu'un Bogart. C'était mon foyer avant la guerre, et il le restera longtemps après, quoi qu'il advienne. À très bientôt. Ça serait mieux, mais c'est pour les trucs de puissance. Je vais pas le piller quand même. Quelque chose à nous dire. Des nouvelles de ce bon vieux gnome? Non, je suis pas encore allé. Ok. Attends. Lairia nous sourit à présent. Vous cherchez une babiole, un joyau? Rial Temar a tout ce qu'il vous faut. C'était vraiment un grand général. Ne vous méprenez pas, je n'ai rien contre les Alphars. Mais cette guerre est très bonne pour les affaires. Je suis un simple marchand ambulant. Je vends ma marchandise là où elle me rapporte le plus. Donc lui, attends. Armure de la foi, hein. Talisman de détresse, robe. 227, ah oui. Ça commence à être pas mal, mais le pouvoir aussi, c'est pas mal non plus. Hein.
Peut-être une autre fois. Il n'y a rien là. Ok, il y a quoi d'autre? Toi, je t'ai pas parlé. Vous ne cessez de m'étonner. Ouf, le son là. Passez votre chemin. On dirait qu'il y a pas mal de graves au niveau de la voix. Entre les brigands ou ici, pont du veilleur. Attends, est-ce que je ne veux pas retourner là? Mais est-ce que je dois mettre de côté, est-ce que je dois mettre de côté? Je ressorte. Bon, pour l'instant, le son de mon casque a l'air d'aller. Et là, voilà. Voilà, attends. Par là. Ah oui, il faut que je descende et je remonte. Sur une quête de faction. La route est mon marché et le commerce ma vocation. Vous êtes... Ah, c'est que ça compte trop, mais c'est sûr que... Vous êtes là pour vendre ou pour acheter? C'est un camp tranquille. Si vous aimez jouer, sachez que Rossé Badon adore les dés. Krilgarin est un guide avisé. La plupart des pérégrins du camp de l'étoile sont des novices, et elle les protège du danger. Les pérégrins ne sont pas des bandits, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent.
Nous formons une grande famille, solidaire et unie. Le refuge est un endroit étrange, perdu au cœur du Cidé. Les deux frères qui le dirigent affirment vouloir simplement aider les voyageurs de passage. Bizarre. Toujours prêt à faire des affaires. Une partie de dés ? Une autre minute de passage, hein ? Salutations. La poussière se soulève pour vous accueillir, voyageuse. Bienvenue au camp de l'étoile. Ce taillis est très ancien, et c'était autrefois un lieu sacré. Aidez-nous à en prendre soin. Je suis Krilgarine. Je ne suis pas sûre de comprendre, mais apparemment, le titre de reine de Denier fait de moi la responsable de ce camp et des pérégrins qui s'y trouvent. Je connais ces terres, les ombres et les chemins empruntés par les pérégrins. Je ne respecte aucune loi, aucune frontière. C'est pour ça qu'on m'a confié un poste de chef. Ah bon? Les Faës inspirent souvent la peur et la méfiance. Sans Grimm, je n'aurais jamais pu rejoindre les pérégrins. C'est pour moi un allié fidèle. Vous venez à peine de nous rejoindre. Je ne veux pas risquer de laisser mon opinion fausser vos perceptions. On nous considère souvent comme de vulgaires voleurs. Nous sommes simplement différents. Grimm vous a jugé digne. Mais il vous reste une autre personne à convaincre. Notre guide, l'anonyme Hiérophante. Allez à l'hôtel de l'Hiérophante et priez, comme doivent le faire tous les pérégrins. Nous avons de nombreuses libertés, mais également un devoir. Un pérégrin vit de ses mains et de sa ruse. Il en va de même pour vous. Les objets du marchand Idon viendront compléter ses compétences, s'il le faut. Les pérégrins sont là pour entrevoir les visions de l'Hiérophante. Que les vents vous soient favorables. Ok. Attends, j'ai pas fait le tour du camp. Quoi ? Non, je crois que c'était des vendeurs. Oh, bonjour. Attends. Briente garde toujours sa forge allumée. C'est bon. Je vous calme un peu d'ici. Eh ben non. Oui. Soixante-dix-sept, mais c'est pour la puissance boucle. Thank you.
ces badanes s'y remis au dé. Un excellent moyen de gagner de l'argent. La route est mon marché et le commerce me... Vocation, vous êtes là pour vendre ou pour acheter? S'il vous faut autre chose, revenez me voir. Attends, oups là, attends. Ah non, c'est là, je pensais qu'il voulait sortir. Qui vient se prosterner devant moi? Un tourbillon dans la rivière du destin? Une fausse note dans la litanie d'Amalour? Votre présence me surprend, mais vous êtes venu et avez prié et honoré nos croyances. Vous souhaitez devenir pérégrine? Alors demandez à connaître mes présages. Pour susciter une confiance et un dévouement absolu, l'hiérophante ne doit faire preuve d'aucune faiblesse, imperfection ou défaillance. En d'autres termes, l'hiérophante ne saurait être personnifiée. Le prix de votre enrôlement est élevé. Il faudra 3 trésors pour alléger le fardeau. D'abord, il y a un noble, Elfwy Grilricas, qui vit à Didonil. Volez son médaillon. Puis, dans la mission non loin, récupérez le linceul du défunt Saint-Eidric. Enfin, récupérez les cure-dents de Drow. Nous avons prévenu leur propriétaire, Gunnar Frodé, que nous les lui achèterions. Mais vous les lui volerez. C'est une babiole plutôt précieuse appartenant à une ancienne famille de nobles. Assez commune, mais qui pourrait nous rapporter beaucoup. Les dagues maniées par le grand maître de guerre Jotun, Drow. Mais ces armes ne lui appartenaient pas, malgré leur nom. Il s'agit du linceul mortuaire de Saint-Eidric. Il suscite la convoitise des collègues. Et quelques mises en garde. Elfwy Grilricas est plutôt hargneux. Il ne se laissera pas approcher facilement. Le linceul de Saint-Eidric se trouve dans sa tombe, qui est très fréquentée. Attendez d'être seul avant de vous en emparer. Enfin, Gunnar Frodé est malin. Il n'aura pas les dagues sur lui, ni à... D'accord, on va essayer de faire ça, ça va pas être évident. Je dois aller dans sa tombe. Si c'est que ça. Si c'est que ça, ça va. Attends, l'usée. Gunnar Frode. Attends, c'est quoi la quête déjà? Voilà, tu sens que lui me voit, ça va être chaud. Bah, il peut que me voir. Eh bien, c'est toujours agréable d'avoir de la visite. Vous êtes la pérégrine que j'attendais, n'est-ce pas? Si nous parlions affaires. Il est dirigé par les pérégrins, une bande de voleurs.
Aros me loue cette chemise pour un tiers de mon salaire. Et elle est pleine de trous. Les Vormes savent reconnaître le talent quand ils le voient. Ils me laissent quasiment gérer ce refuge. Tiens, pendant que j'y pense, tâchez d'éviter le camp de l'étoile, si vous le pouvez. N'écoutez pas les gens quand ils vous disent que les Pérégrins ne s'attachent qu'à leur liberté d'action. Ils attachent également beaucoup d'importance au contenu de vos poches et à tout ce qu'ils pourraient vous prendre. Ceci inclut notamment la chemise que vous avez sur le dos. Ouais, j'ai récemment été contacté par le camp de l'étoile qui désirait m'acheter des dagues que j'ai acquises au péril de ma vie. Il me semble donc légitime de changer les termes de la vente. Je veux un paiement comptant. Je vous dirai ensuite où récupérer les dagues. Ceci étant dit, vous pouvez me payer maintenant et on n'en parle plus. Vous avez raison. Je ne devrais pas me mettre les Pérégrins à dos. Je me départirai des dagues pour la moitié de leur valeur initiale. Attendez, vous plaisantez. Je veux dire, ce fut un plaisir de traiter avec vous. J'ai caché les dagues dans le cidé. Il y a une carte dans mon coffre-fort à l'étage. Vous pourrez l'ouvrir avec cette clé et prendre les cure-dents. Caché dans le cidé. La clé que vous... Au revoir. Ravi de vous rencontrer. C'est derrière moi. Ok, ça c'est fait. Et donc maintenant... Ah non, c'est en dessous.
Lol, je regardais pas au bon endroit. J'espère qu'ils vont bien dans la mission. Qu'est-ce que c'est? Stupide paysan! Elfwig Grilricas refuse. Allez, du vent! Aucun Grilricas ne devrait avoir à. Je pense qu'il faut le voler dessus. Aucun Grilricas ne devrait avoir à traiter avec une moins que rien comme vous. Du vent! De Didenil, voyageuse. Tiens, faire comme vous trouvez un endroit où il n'y a personne. Est-ce que je peux en barrer? Je pense que je peux plus retourner dans cette vie pour l'instant. À moins que ça se reset. Vous avez accompli la tâche qui vous a été confiée par l'Hiérophante, comme toute pérégrine qui se respecte. Beau travail. Je ne vous invite ni à une fraternité, ni à une guilde. Nous sommes une famille, une race, le bastion d'individus de même trempe. Vous formez désormais une famille avec les pérégrins. L'Hiérophante requiert à nouveau vos services. L'Hiérophante vous appelle, vous devez lui répondre. Une nouvelle mission vous attend. Votre cible est un Faé, Amethaïr, seigneur de la chasse et membre déchu de la cour d'été. C'est tout ce que je peux vous dire. Priez devant l'autel de l'Hiérophante pour... Je le connais, c'est le seigneur de la chasse,
C'est aussi un ancien, mais ce titre n'est rien de plus qu'un artifice. Nous allons leur montrer, à lui et à la cour d'été, que ces appellations pompeuses ne nous... Vous devez vous rendre à l'hôtel et prier. Bonne chance. Mmh. Attends. Taillade, esquivée, attaquée à la dague sur une esquive. Puis, frapper et projeter l'ennemi dans les airs. Esquiver et après taper. D'accord. Mmh. Mmh. C'est ça que j'aurais dû utiliser aussi. Okay. Il y a une quête ici. Oui. Votre allure ne me déplaît pas, Pérégrine. Ça vous dirait de me donner un coup de main? Les nuits chaudes, les étoiles, on n'a pas à se plaindre. Et en cas de besoin, elle est peut-être étrange, mais elle veille sur tous les pérégrins du camp de l'été. Guerre, épidémie, famine, les maux du monde. J'ai besoin de clés, Minus, de clés de prison. De plus en plus de pérégrins se retrouvent derrière les barreaux. Et je ne suis pas... Ces clés pourraient éviter qu'un pérégrin finisse en gibier de potence. Mais pour les obtenir, vous devez... C'est bien joli de parler, Minus. Bon voyage, Minus. Minus, ils vont t'en foutre une dans la gueule. Ouais. La route est mon marché et le commerce. Finesse 7, avec ça on va pas aller loin. Est-ce ma vocation? Vous êtes là pour vendre ou pour... Toujours prêt à faire des affaires. Je vous attendais, enfant de l'ombre. Vous allez voler les bottes de bourreau à Amethaïr, seigneur de la chasse et ancien membre de la cour d'été. Ce sont des reliques. Elles ont une immense valeur, même si leurs enchantements n'ont d'effet que sur les failles. Le seigneur de la chasse semble avoir disparu. Je n'ai pas de vision claire, mais les signes pointent. Vous devez la retrouver dans le Cidé. Débrouillez-vous pour qu'elle... D'accord. On va essayer. En fait, c'est en face. Ouh.
moi j'ai entamé une zone plus haut level qu'ici, ça me change tout. Salutations, Pérégrine. J'espérais bien vous trouver dans ces bois. Je tiens moi aussi à ce qu'ils se débarrassent de ces bottes. Je ne les ai pas, mais je peux vous dire où elles sont cachées. Si vous les voulez, vous devez trouver Amethaïr, le seigneur de la chasse, et mon maître. Le seigneur de la chasse s'est isolé à Ardwat, car les bottes sont porteuses d'une terrible malédiction. Amethaïr est la chasse incarnée, et les bottes décuplent ses capacités. Elles le rendent totalement indétectable, mais elles font aussi de lui un tueur sanguinaire. Son esprit est celui d'une bête féroce. À ses yeux, c'est pour cette raison qu'il a choisi de s'enfermer à Ardwat. Mais si vous y allez, il vous traquera, vous aussi. Non. J'aimerais sauver mon maître. Mais la malédiction est trop puissante. Mourir sera pour lui une délivrance. Et qui... Je me dois de vous mettre en garde. Vos chances de réussite à Ardwat sont infimes. D'accord. Mais je suis le héros d'Amethaïr, le seigneur de la chasse. J'ai longtemps... Il a sillonné les forêts, les plaines et les déserts. Mais le grand hiver l'a changé. Quand la magie des Faëls est devenue... Mon maître a fini par réaliser que les bottes étaient maudites. Ces bois sont les plus sombres, les plus... Elles sont à... Ce lieu est une prison... Partez ! Ah bah... J'ai pas encore fait. Attends, faut y aller. Est-ce que je peux passer par là ou je passe obligatoirement le tour par là? Ah non, je l'avais pas déjà fait War Droite. Qui va là? C'est trop tard. L'appel de la chasse est trop fort. Je dois lui répondre. Je sais. Tout ce que je voulais, c'était lutter contre le déclin dont souffrent tous les failles de l'été. C'est trop tard pour moi. Mais, tenez, prenez assez parlé. Entrez dans ma tanière. Vous amusez bien. Que diriez-vous de pénétrer plus avant dans mon domaine? Léon. Est-ce qu'il n'y a pas un bug?
Il est où? Il y a un problème là. Attends, où je le trouve? Je pensais qu'il allait m'attaquer, mais... je vais aller jusqu'à où pour le trouver? Je sais qu'il est invisible, mais il m'attaque pas. Mmh. Ou alors il est bloqué. Ça a pas bugué là. Il n'y a rien. Si le bruit que j'ai entendu là, c'est pas un truc pour m'indiquer qu'il est là. Pour ta musique, un peu trop épique pour ce qui se passe. C'est quoi ce bordel? Est-ce qu'il va pas apparaître dans une autour du soleil? Il faut pas que je bouge. Ça me paraît bizarre de pas devoir l'attendre sans bouger. T'es sûr que ça a pas bugué là?
Donc tu as des bottes maudites me fait... D'accord. Je veux bien, mais il est où? Totalement. Dans les tartes. Qui? Qui va là? C'est trop tard. L'appel de la chasse est trop fort. Je dois lui... C'est trop tard. Assez par... Vous amusez bien. Que diriez-vous de pénétrer plus avant dans mon domaine? Non, ça change rien. Invalidateur. Ah. Je pense que invalidateur, c'est-à-dire que le truc a dû bugger. À tous les coups, le cas de bug. T'as le bug, non? Ouais, je pense que la quête a le bug. Parce que ça se trouve, je pense qu'il était là. Attends, peut-être pas. Là, ça me dit rien. Ah non, j'ai fait demi-tour là. Non, non. Ouais, ouais, ça a bugué. Je pense que la quête elle bug. Qui? C'est trop tard. La pète, c'est la prison que j'ai. La faim m'a amené ici. Là où c'était mon titre autrefois. Mais les bottes m'ont permis de me transcender. Je ne suis plus le seigneur de. Non, je refuse d'entrer dans mon domaine. Vous amusez bien. Que diriez-vous de pénétrer plus avant dans mon domaine? Est-ce que là ça fonctionne? Ah bah tiens, il est là. Ah, il semble que j'ai eu tort de vous sous-estimer. Vous êtes rapide. Il a disparu. Ah, le con. Ah non, je peux casser le truc, d'accord.
savourer votre agonie. Ah bah elle a quand même eu hein. Après deux bugs. J'espère qu'on fasse pas tout ça pour rien. Tiens, t'es pas là. Les ombres vous précèdent. Salutations. Sachez que contre paiement, je peux vous apprendre à être aussi furtive qu'une ombre. 15 000. Que vos pas soient silencieux. Salutations. Sachez que contre paiement, je peux vous apprendre à être aussi furtive qu'une ombre. Les bois sont calmes ici. Et au moins, nous sommes loin des... C'est Krilgarin qui m'a tout appris. La furtivité est un art difficile à maîtriser. Les villes s'effondrent. Les nasques, les ombres vous protègent. T'as cru tellement furtif qu'il me voyait même plus. La route est mon marché et le commerce ma vocation. Vous êtes là pour vendre ou pour acheter? S'il vous faut autre chose, revenez me voir. Bienvenue au soleil. Bienvenue. Les bottes semblent avoir été affectées par leur changement de propriétaire. Mais vous les avez. Hiérophante apprécie vos services. Votre succès rejaillit sur nous tous. Grim Onwig n'est pas rentré de sa dernière mission. Je crains qu'il ne lui soit arrivé malheur. Vous devez retrouver Grim et nous le ramener sain et sauf. Grim est un pérégrin loyal et talentueux. Son sort est entre vos mains. Il devait se rendre au bastion d'Aune, alors que vous devez vous hâter. Dans leur colère, soyez prudente. J'ai hâte que les vents vous soient favorables. Est-ce qu'à partir d'ici, on peut taper Ouna? Un Gorgont. Je ne sais pas si j'ai fait Gorgont. Enquête évasion. Alors c'est... Oh là, il y avait 4. Ah, ici, d'accord. Et. Ok. Attends, ah, c'est carrément derrière moi en fait. Derrière moi et tout droit pratiquement. Parmi les échos des rivages dorés et des mers d'argent, Lairia s'approcha. Elle vit la prêtresse endormie, allongée sur la terre noire au milieu des cyprès. Sous la lueur des cieux se reflétait le crépuscule, miroir attirant les étoiles, et Lairia murmura à Tyrine.
sur un éperon de roches et de sable, le paradis se révélera. Ce sera un trône de prestance, un éclat de nuit brillant dans l'écume, une aiguille dressée du fond des mers et perçant le voile du ciel. C'est là que ton peuple sera au plus près de ma voix. Alors Bayala Tirin, calme et majestueuse, vit en s'éveillant les falaises surplombant le rivage et le trône de l'Aïria. Bonjour. Ah bah ça va. Bonjour. Bonjour. Vous m'avez oublié, c'est bien. Surtout que moi je dois aller... En fait c'est derrière moi, pourquoi je vais là? Apparemment là il y a une entrée. Mais elle est pour l'instant coincée. Hein. Là-haut, t'as une porte ici. Ça doit être une porte de sortie, ça. Ouais. Sortie de je sais pas quoi. Mmh. Ah c'est les camps de l'étoile, d'accord. Comment ça se fait que je me suis emmerdé à ça? Voilà, c'est un autre camp en fait. Cadeau. Thank you.
Tout ça pour ça. Poussin, heureusement que Krilgarin vous a envoyé. J'ai bien cru que l'hiérophante avait gagné. J'ai été piégé. L'hiérophante m'avait chargé de voler un vieux livre, les Chroniques Noires, à un groupe de Jotun. Une mission banale. Mais je me suis fait surprendre par un groupe de prétoriens. Ils veulent ce livre, ouvrez cette porte, et récupérez mes affaires, et je pourrai filer. Vous pouvez aussi essayer de récupérer les Chroniques Noires. Oh, c'est juste un vieux bouquin mystérieux. Ni moi, ni les gnomes n'avons réussi à la récupérer. Il doit être entre les mains des Jotun, au cœur de la forteresse. Trouvez-le. Je me suis mis dans un sale pétrin. Oh, vous voulez parler de cette guide qui veille sur les pérégrins? C'est à cause de l'hiérophante que je suis enfermé ici. Je vous raconterai toute l'histoire une fois que vous m'aurez... Ce sont toutes sortes d'affaires indispensables à mon métier. Ces maudits gnomes sont sur le qui-vive. Alors je vais avoir besoin de... Les gnomes sont plutôt accommodants de tout ça pour un vieux bouquin. Vous allez devoir... Vous pouvez aussi essayer de récupérer... Faites vite. Il y a deux à l'extérieur et un à l'intérieur. Levier. D'accord, bravo. Regarde au sol.
s'il faisait une demi-tour. C'était ça en fait le... Vous avez récupéré mes affaires, non? Donnez-les-moi, je vais en avoir besoin. Si vous jouez à ce petit jeu, poussin, c'est que vous savez que je ne suis pas vraiment en position de négocier. Très bien. Je ne prendrai qu'une seule potion, et vous pourrez garder tout le reste. Ça vous suffit, j'espère. Faites vite! C'est vrai qu'il y a trousse de vol. Il y a marqué trousse de vol. C'est fait. Pas tarder à pouvoir faire une pause. Ouais, est-ce que je peux me TP? Je peux pas se TP là? Ou alors se TP ici? Non. Putain, zoom. Non, je peux pas me TP là. Le plus près, j'ai rien du tout en fait.
La route est mon marché et le commerce... ma vocation. Vous êtes là pour... S'il vous faut autre chose, revenez... Encore là? Je ne serais pas contre l'aide d'une pérégrine futée comme vous. Si vous avez... Des gardes sont postés devant les prisons de... Bon voyage, Minus. Vous avez sauvé Grimm. Je vous en suis reconnaissante. Mais ces accusations à l'encontre de l'Hiérophante sont troublantes. Le moment est venu pour vous de rejoindre le camp de la Lune dans les plaines d'Eratel. Irionthal aura sûrement des missions à vous confier. Que les vents vous soient favorables. Ok. Déjà, en persuasion, je suis pratiquement au max. Hein. Ça, crochetage. Ça se prête pas mal. Ouais. Ouais, on va prendre ça. Et ça, par contre, alors, en finesse. Ah oui, c'est là. D'accord. Ouais, attends. Ah non, c'est à 50. Pourquoi tu mets des flèches, en fait? Ouais... Les lames serrées de rosin découpent... Enfin, si c'est tant que cette coupe s'est activée ou dégage, vous coûtez la DP, donc... Attends, on va le mettre ça, tiens. Ok, là je suis chasseur. Bon, pour l'instant j'ai... Vous pensiez que l'armée entière avait été déployée de l'autre côté de l'océan? J'ai bien peur que non. Quelle poisse! J'étais de garde ici quand le siège a été levé. Mais au moins... Vous avez gagné la guerre. Oh, c'est... Est-ce que vous voulez vendre? Pardon, je voulais dire acheter. Est-ce que le camp de la Lune est un camp d'artistes? Spectacle, ballet, concert, chaque représentation... L'art est d'ailleurs notre principale source de profit depuis que cette guerre a éclaté. Les soldats... Irion est un barde talentueux et un voleur habile, mais il n'a pas l'étoffe d'un chef. Surtout depuis que Maire est parti. J'entends souvent dire que les pérégrins sont tous des voleurs, mais c'est faux. Nous avons aussi des marques. Il se passe toujours quelque chose là-bas. La ville est oppressante. On a constamment... Alors, attends. En Sylvanite.
performant, mais c'est que 48. Ça sera déjà mieux, mais c'est plus de puissance. J'ai l'impression d'être observé. C'est pour ça que venez me voir. Le voleur peut forcer un verrou. Le brigand voler une clé. Barde, acteur, guide anonyme, prophète avisé. Mais, rongé par le chagrin, Iri, nous formons une caste. Adieu. Adieu. Quel est ce spécimen qui se présente? Si seulement vous aviez pu arriver plus tôt, vous auriez peut-être pu m'aider à retenir. L'Hiérophante est notre guide à nous tous, les Pérégrins. Tel un chef d'orchestre, l'Hiérophante, contrairement à nous, l'Hiérophante voit le tableau dans son ensemble. Ses prophéties nous que l'Hiérophante me vienne en aide. Sans ma femme, je ne suis plus que l'ombre. Vous n'imaginez pas à quel point elle me manque. J'en arrive à implorer la grande faucheuse de venir. Il faut du courage pour mener la vie de... Mais il faut surtout du talent et de la presse. Oh, rien qui ne vaille la peine que je vous importune, après tout ce que vous avez fait pour le camp de l'étoile. Les alphares au cœur brisé ne sont pas plus importants. Je devrais vous en dire plus au sujet de la mission que vous... Oh. Un instant, je vous prie. Maïrée. Ma peau. Ma reine de coupe, qui menait jadis avec moi le camp de la lune. Elle était d'une famille noble. Et j'étais leur bouffon. Quand nous sommes tombés amoureux, nous avons fui. Mais dernièrement, le stress de cette vie a fini par tout gâcher. Elle m'a laissé. Et a quitté le camp pour... Je ne suis pas en état de vous aider maintenant. Très bien. Allez à l'hôtel de l'Hiérophante et priez. Vous recevrez les présages de la prochaine mission de notre grande maîtresse. Vous devez prier à l'hôtel de l'Hiérophante. À bientôt. Venez-vous me faire une requête? C'est étrange. Vous semblez... Ah, c'est vous, enfant de l'ombre. Nous sommes loin des bois de Dalentart. Je vois que vous avez hâte de servir votre guide. Oui. Et bien mieux que le camp de l'étoile. J'ai vu les objets que vous devez voler. Le calice du millésime de la basse ville et la chevalière de Wyvern Giffrey de la haute ville. Enfin, vous devez vous emparer du capuchon de la Jouvencelle au temple de l'Aéria. Ces trésors sont ma bénédiction sur ce camp. On dit que le calice du millésime transforme tous les qui... Il est actuellement en la possession d'un vendeur répondant au nom de Weinrich à la taverne de l'écume à Ratir. Prenez-le lui. Il s'agit de la chevalière des... Le patriarche Epsol est un homme très sollicité. Vous devrez lui prendre... Le capuchon de la Jouvencelle est une coiffe de cérémonie appartenant au temple de l'Aéria. Je crains que vous ne soyez pas seul sur le coup. Maïri Ganan cherche à s'en emparer. Vous n'êtes pas la seule à convoiter le capuchon de la Jouvencelle. Il y a aussi... Je connais les écueils amoureux d'Irion et Maïri. Calmez-les. Ok, bon, mais ça c'est fait. Hein. Alors, attends. Vous voulez apprendre à marchander efficacement? Le négoce est un art. Et je peux vous révéler ses secrets. Ah oui, parce que j'ai rien mis en... La côte a été ravagée par la guerre. Le spectacle ne s'arrête jamais au camp. Le marchandage est un art. Et l'art est notre spécialité. Sa femme l'a quitté apparemment. Faut que je mette un point dedans pour problème, pouvoir rentrer mieux. C'est qu'Irion est tellement déprimé qu'il ne nous donne aucun ordre. Je sais, elle a quitté Irion. Les Pérégrins sont réputés pour la... Adieu. Adieu.
censé avoir quelque chose là. Besoin de quelque chose? J'ai des articles à vendre. Je peux aussi... Venez me voir. Ça pour ça. Moi je vais sauvegarder la poste. Hein. Je vais faire une petite pause et je vous dis à tout de suite.
reparti. Bon, allez. Et là, il faut voler discrètement. Il y a un souci, t'es pas assis au bon endroit. Hein. Il y avait autre chose ici. Bonjour. Un verre, une assiette de rôti. Que puis-je faire pour vous, étrangère? Arme unique surprise. Je serais ravi de pouvoir vous aider. Des jambières de en finesse par rapport aux jambières de Merc. Tout a des cas critiques, capacité de finesse. Je serais ravi de vous offrir mes... Ouais, mais là, ça a coûté trop cher. Service, je peux acheter ou vendre. Du coup, après, il va m'envoyer dans une nouvelle région. Curiosité, talisman, objet puissant. Bonsoir. Thank you.
aussi pour voler les trucs ici, les gars. Et que je vous y reprenne plus. Oups. Le crime ne paie pas. Bon, c'est pas grave. J'ai tué quelqu'un. Et que je vous y reprenne plus. Bienvenue à Rathir. Normalement, je suis pas censé être vu, mais bon. Il est censé avoir. L'Aïria vous sourit. Au revoir. Là, t'es pas censé. L'Aïria vous sourit. Au revoir. J'ai acheté une quête pour elle, je sais pas. Je me souviens plus. Là, ça, c'est normal que ça veut dire qu'il y a un trésor. Il y a un trésor, il y a un truc caché là. Je sais pas, puis j'ai pas envie de chercher pendant 3 heures. Quel terrible état! C'est pas du tout par là. Tenez-vous tranquille. C'est-à-dire là où j'allais. Circulez. Ah, je peux pas. Oh. Garde de la ville, circulez. Étudiant en magie, maître S. Sortilège. Qu'a bugué. Chanson. Voilà. Ah, oh, putain. Je sais pas pourquoi il fait ça, je suis au démarrage.
Wow. C'est bon. Est-ce que vous voulez vendre? Donc, je voulais dire acheter. Est-ce que vous voulez acheter quelque chose? Maire, c'est une des plus grandes voleuses que je connaisse. Ce n'est pas parce que vous venez me voir. Alors, la tâche est accomplie. J'avais espéré que Maire reviendrait, mais je me suis trompé. Acceptez cette alliance, je n'en ai plus besoin. Elle ne reviendra pas. Revenons-en à vous. Je crois que c'est moi qui ai tué. Hiérophante a ordonné un autre vol. Souhaitez-vous y partir? L'amulette est cachée dans Riten. L'hiérophante semble y attacher de l'importance. Ne me demandez pas pourquoi. Vous avez été choisi tout spécialement pour cette tâche. Vous et Fasmer Hum. Un pérégrin du camp de la Lune. L'hiérophante a été catégorique pour que vous et Fasmer... Mais Fasmer est un affaire. Allez prier, l'hiérophante. Bonne chance à vous. Vous êtes venu? Parfait. Vous et Fasmer Hum allez voler l'amulette de Riten. L'incrédule s'est montré attentif pour une fois. Il est impatient de faire ses preuves. Son aide vous sera précieuse. Vous devez voler l'amulette. C'est tout ce que vous avez besoin. Riten est un labyrinthe étrange. Vous allez braver ces dangers aux côtés d'un autre pérégrin. Fasmer est une forte tête. Il n'est pas très dévoué envers l'hiérophante, enfant de l'ombre. Vous avez tout compris, c'est bon? L'hiérophante nous envoie à Riten. Pour moi, l'hiérophante n'est rien d'autre qu'un démon qui impose son culte et contrôle nos actions. J'étais venu ici en quête de liberté. Et apparemment, les pérégrins doivent aussi obéir aux ordres. J'ai tout abandonné pour devenir un pérégrin de légende, comme Tom la Toupie ou même Maire et Irion. J'ai fui les lois et les obligations. Tout ça pour me retrouver sous le joug d'un soi-disant. Oui, je suis avec vous, même si je râle passer par l'entrée principale. Je vais emprunter un autre. J'en ai entendu parler, oui. Si l'hiérophante nous confie ce genre de mission, j'avais toujours pensé que notre soi-disant guide n'était qu'une tête de lard. J'aime bien le camp de la Lune. Bon, par contre. Irion et Maire sont un peu trop soumis à l'hiérophante. C'est lui qui mène la danse, au sens propre. Maire, j'ai appris qu'elle avait quitté Irion. Les grands pérégrins laissent leur marque. Un coin froid et humide, hanté. La côte de Taiwili a été ravagée par la guerre. La tour... Ce n'est pas le moment de discuter. En route! C'est carrément... Je suis pas encore allé. Vous voilà enfin. Bon, je crois que je vois un levier. Bon vent.
Ah non. Le con, je suis ressorti. Vous êtes passé. On se reverra. On a un problème. Je ne vois plus. C'est à vous de jouer. Bon vent. Qu'est-ce que c'était ? Oh, non ! On a un problème ! Thank you.
si dur que ça. Bon, on a réussi. Contrairement aux prévisions de l'hiérophante. Je savais bien que ces prophéties ne valaient rien. Yep. Il monte 3, 5, 6, 7. Voilà qui fait plaisir à voir. Ça n'a pas été facile de vous rejoindre ici, vous et le pauvre Fasmer. Mais quand j'ai appris ce que vous... L'hiérophante avait une dent contre moi. L'hiérophante... Alors, j'ai quitté les pérégrins. Et l'hiérophante a fait... Ce sont mes efforts pour renverser l'hiérophante qui m'ont mené jusqu'ici. Juste désolé de ne pas vous avoir contacté plus tôt. Après tout ce que vous... J'ai dû rester dans l'ombre pour faire quelques recherches. Je vous avais dit que l'hiérophante m'avait tendu un piège. Eh bien, sachez que l'hiérophante a fait la même chose avec vous et Phasme. Réfléchissez. Phasme, l'hiérophante voit tout. L'hiérophante sait tout. Tout. Sauf pour vous. Et ça fait de vous une menace à éliminer. L'hiérophante vous a envoyé ici en sachant qu'au moins l'un de vous deux serait frappé par la malédiction. Je suis donc... Nous devons aider ce pauvre Phasme. Quand j'ai appris... Cette gemme est capable d'annuler sa malédiction. Donnez-la à Phasme, d'accord? Elle est probablement à l'origine de tout ça. Un cadeau empoisonné, comme l'amulette. L'hiérophante avait... Alors j'équipe. Ce sont mes efforts pour renverser l'hiérophante. Drôle d'endroit, hein? Le vieux capitaine en a eu assez de l'incompétence de l'arme. Utilisez la gemme que je... D'accord, et maintenant faut tous retaper. Ah non, peut-être pas. Si. Qu'on doit s'approcher de la fin de la des quêtes de cette faction. Sauvé. Quand j'ai été frappé par cette malédiction, j'ai bien... Mais vous m'avez libéré. Et vous, vous devriez lui parler. J'ai la... Allons-y. Content de voir que Fasmer est à nouveau mobile. Nous devons le protéger de l'hiérophante. Ils ont mis en observation. Dites-lui qu'il n'a pas survécu. Passons à autre chose.
Vous avez été une bonne pérégrine. Nous avons tous été trahis par l'hiérophante. Le moment est venu de lui... J'ai un plan, poussin. Nous ne visons pas simplement la vengeance. Nous allons détrôner l'hiérophante a essayé de me tuer en m'envoyant chercher les chroniques noires. Et il s'avère que les gnomes ont réussi. C'est l'arme idéale pour prendre ma revanche. Mais les gnomes l'ont trop bien caché. Vous êtes unique, poussin. L'hiérophante voit tout, mais vous échappez à ça. C'est un artefact errati. Il est plus ancien que ces terres. Peut-être même plus ancien que les Faées. Bien utilisé, il a le pouvoir de révéler l'objet de nos désirs, s'il existe. Il pourrait donc nous aider à localiser... Écoutez, poussin. Si l'hiérophante découvre... Mais sa chasse aux dissidents n'est qu'une partie du problème. Le plus grave, c'est que l'hiérophante, si rien n'est fait... Pour survivre, le château des ombres est une vieille ruine erratie dans le sud. Pour atteindre le miroir, vous devez vaincre une armée de démons et réussir 3 épreuves. Je vous ai laissé un petit cadeau à l'entrée du donjon. Les bottes de bourreau. Avec ces bottes et l'amulette que vous avez volée avec Fasmer, vous ne pouvez pas échouer. Le miroir est puissant, poussin, et il est sous bonne garde. Mais vous êtes la seule à échapper à l'œil de l'hiérophante. La première épreuve est le corridor des flammes, où il faudra être très rapide. Utilisez les bottes de bourreau pour le traverser sans heurts. Vient ensuite le dédale obscur, un labyrinthe mystérieux. Fiez-vous à votre instinct pour trouver la sortie, poussin. Pour finir, vous devez triompher du gardien. C'est un démon invincible. Mais vous pouvez utiliser l'amulette. La première épreuve vient ensuite pour finir. Vous devrez être un coin à éviter. La légende raconte que son château était somptueux. Galerie majestueuse, et elle a pris le contrôle des lieux. Seule une voleuse exceptionnelle oserait entrer dans son... On dit qu'ils sont attirés par le miroir comme les voleurs par l'or. Je n'en doute pas. Le château des ombres est un lieu plein de mystères. Ils rêvent peut-être secrètement de s'en servir. Mais le garde, c'est une Niscaro, poussin. D'après la légende, elle a berné le roi afin de prendre le contrôle du château des ombres. Il va vous falloir un peu plus que de la chance pour réussir. Je voulais aussi utiliser ces artefacts comme bon. Ok. On va se rapprocher du château et puis on va arrêter là le live. Je pense que ça doit être la dernière quête de la faction. Qu'est-ce que vous regardez ? Pas censé avoir assez de machin pour l'ouvrir. Il y avait une porte cachée. Alors la prophétesse revint vers son peuple, qui, satisfait de ses largesses, se complaisait sur ses terres glacées. Et Tyrine leur parla, dans sa robe de soie tissée de la main de Lairia. « Je vous salue. Je viens vous transmettre les paroles de la déesse à son peuple. Je sais des terres étoilées sous son influence. Elle nous montre la voie, et c'est vers le levant que nous devons partir, car il n'y a point de beauté dans ces vallées gelées. Nos cousins... Sachez-le, ne serons plus troublés par notre détresse. Nous irons à l'autre bout de l'Alfari et nous serons des Docalfars heureux. Oh.
finesse 29, moins 41, mais ça me donne un deuxième truc. J'ai armure, j'ai les jambières de avec machin et les bottes de votre machin. Ils m'ont trouvé. Ayez pitié. Faites ça vite. Je rends grâce à Mitaru. J'ai cru que j'allais mourir ici, moi. Le dernier Anela et les fourrageurs étaient absents quand les Tuata ont attaqué. Anela est partie avec les autres vers Virki. Elle a dit que c'est de là qu'il venait. S'il vous reste un espoir de la retrouver en... Elle a promis que nous rebâtirions. Je ne peux pas l'en blâmer. Après dit, ce fut notre plus grande erreur. Regardez, le village aurait pu revivre, mais il n'y a plus personne. Tous les combattants étaient partis en quête de... À notre art, pourquoi cette haine envers nous? C'est une place forte au sud de Taiwili. C'était après, profitant de la nuit, ils ont... Avirki, prenez au sud par le col étroit, puis allez... Contre les kobolds et machin. Ok. Et ben je pense que je vais sauvegarder là pour aujourd'hui. Et on verra la suite. Ça, la suite. Au prochain épisode. Sur ce, je vous remercie parce que ça passe en direct ou en replay. Et je vous donne rendez-vous donc au prochain épisode. Au revoir.